Et salut à toutes, c'est Kanzatrova pour l'épisode numéro 67 et la suite du coup de notre espèce du coup sur Persona 5. Et on se retrouve, on était la dernière fois, on avait notre prochaine cible, Shido. Et on avait le côté un peu où tout le monde nous croit mort, mais du coup je sais pas trop comment ça va se passer, est-ce qu'on peut sortir comme on veut. Et juste on va plus en cours ou pas, je ne sais pas, je continue à parler un peu aux personnages qui sont ici, Pyrmera quoi. On ne dirait pas, mais tout le monde va bien risquer sa vie aussi. Il ne faut aucun doute que tu étais celui qui, sur lequel il y avait le plus de risques. Je veux dire, t'as quand même été arrêté. On dirait que le traitement et la drogue que tu as eu, t'a fait oublier les détails du plan. Tu veux que je t'explique? Non, c'est bon. Je suis plutôt fatigué. Repose-toi pour l'instant. Tu vas pas t'inquiéter. Et sérieusement, bien joué. Du coup, je peux pas. Il faut que j'aille me reposer, je suppose. Ouais. Salut. Bon, du coup, tout le monde reste là. Ça se passe comment? Laissez-moi reposer. On a l'air de vouloir nous réexpliquer le plan, mais a priori on a pas quand même passé quand même un épisode la dernière fois entier pour nous résumer un peu tout le plan en entier et un peu tout ce qu'on allait faire et tout. Donc bon, bref, voilà, tout le monde prend un cachet pour un héros. Ah, s'il savait. Écoute, on va essayer de leur donner tort. Les gens parlent. Est-ce qu'on va suivre les autres voleurs fantômes dehors du coup, vu que ben on a pu en sortir? Enfin, en tout cas, on est censé être mort quoi. Je sais pas, ça va être un peu bizarre, je pense. J'ai entendu que tu faisais rentrer chez toi. Donc j'ai annoncé. Bah, finalement, on sait que nous... Enfin, bref, Kawakami nous couvre quoi. Pour l'école. Est-ce que ça va? Je le suis, merci. Tu es en vie. Les news, du coup, les médias disent que tu as commis un suicide. Appelle-moi quand tu peux. J'étais un peu confuse. Mais du moment que tu vas bien, ne t'inquiète pas à propos de l'école. Juste prendre soin de toi, petit cœur. Quel gentil. Je me demande si on n'aurait pas une relation au max avec elle, si on aurait d'autres délogues ou pas, bref. Est-ce que c'est vrai que ce leader des voleurs fantômes est mort? C'est le nom qui parle, blablabla. Calmez-vous, vous êtes en classe. Ça fait bizarre parce que du coup j'ai l'impression de jouer au jeu normalement, sauf que bah y'a pas mon personnage quoi. Vous êtes comme les singes du zoo. J'ai reçu le mot comme quoi la famille de Conzel. Enfin, de la famille de Conzel, comme quoi il serait absent pendant un moment. Vous pensez... Bref, on s'en fout, blablabla. C'est pas intéressant. Eh, ça peut être vrai, n'est-ce pas? S'il te plaît, dis-moi que tu vas bien. C'est tout bien. Oh merci, tu es en sécurité. Le rapport, enfin le... Ouais, l'annonce du suicide quoi, était partout dans les médias. Et Madame Kawakami a dit que tu étais retourné chez toi. J'étais vraiment très inquiet. Ok. Même Sakamoto doit déjà les questions. Éviter les questions. Bref. Blablabla. Sakamoto c'est Ryuji je crois. C'est Anne. Oh putain, je sais plus. Non, je crois que c'est Ryuji. Est-ce que j'allais dire, je pourrais peut-être me balader dans le métaverse en attendant, mais techniquement, Akashi peut y aller aussi, donc c'est même pas un endroit où je peux me cacher, quoi. Bon, il faut qu'on trouve aussi comment accéder au palais.
que vous avez trouvé les mots-clés pour accéder au palais de Shido? J'ai essayé plein de trucs, mais bon, ça a rien donné pour l'instant. C'est difficile de comprendre la pensée, le processus de pensée d'un criminel qui planifie tout comme lui. Tu sais, je me demandais s'il était derrière tous ces chocs mentaux, enfin ces crises mentales là. Ça veut pas dire que genre tous les accidents bizarres depuis les dernières années étaient de sa faute. Comme l'accident dans le subway en avril. Dans le subway, dans le métro. Non, tu t'en fais mention. Cet accident a fait perdre son travail au ministre des Transports. Attends, est-ce que tu essayes de me dire que Shido a causé cet accident? C'était dans le métro. Est-ce qu'il se soucie pas du tout des vies innocentes? Bon, il a l'air de s'en foutre quand même pas mal, hein. Il y a toujours plein d'une tonne de victimes dans l'hôpital à cause de lui. Masayoshi Shido. Depuis combien d'années? Enfin, combien. De personnes as-tu tué depuis ces dernières années? C'est difficile de comprendre un esprit d'un mec aussi horrible. Ça ira pas plus vite si on y allait juste et on essayait de penser une fois qu'on est sur place. Essayons ça. Si on y va, je voudrais que Conseil nous rejoigne, mais. Est-ce que ça. Enfin, on peut faire ça? Est-ce que personne ne va le démasquer? On va sans doute réussir à trouver les mots-clés. On n'a rien de temps une fois qu'on y sera. En plus de ça, Oui, bon, bref, là. Là. On va vraiment y aller du coup. Enfin, on peut peut-être s'utiliser, hein, à la limite. Une petite perruque. Une tenue qu'on ne porterait jamais. Ou un peu excentrique, tu vois. Tu sors? C'est le plan. Tu dois te foutre de ma gueule. Tu réalises ce qui se passerait si tu te faisais attraper? Ah. Eh oui, je sais, je sais. Bon, je ne reste pas dehors trop longtemps. Furtif. Akashi isn't here. On n'est pas très discret du coup, mais bon. Akashi n'est pas là. Let's begin at once. Essayons. Les voitures de police font des rondes. On peut pas rester trop longtemps. On a déjà Masayoshi Shido et Diet Building. Tout ce qu'on a besoin, c'est ce à quoi il pense. Comment il se représente cet endroit. Peut-être le mont Fuji, puisque c'est l'endroit le plus haut du pays. Pourquoi pas un manoir? Vu qu'il essaye de devenir premier ministre, peut-être une école? Pourquoi pas une arène? Comme le Colisée? Un palace impérial? Enfin, un palais impérial? Ça marche pas. C'est pour ça qu'on arriverait à rentrer pour l'instant. Peut-être qu'on. On n'aurait pas dû demander à Conseil de venir. Ah, c'est assis pour moi, hein, mais bon. Tu penses qu'il garde son propre palais avec une barrière? Shido a volé les recherches sur la science cognitive. Peut-être qu'il a. Qu'il y a des. Truc spéciaux écrit à l'intérieur. Est-ce que c'est possible? Qui sait? J'en ai aucune idée. Il n'y avait rien de tel dans les notes que j'ai pu lire. Quel genre de personne est ce Shido?
J'arrive pas à m'en figurer. J'ai fait un peu de recherche sur lui l'année dernière, mais j'ai pas réussi à visualiser le type de personne qu'il est. Ah, ça a l'air de parler dans le fond. Ce gars là-bas a l'air d'être un législateur. Je vais essayer de lui parler. Enfin, je vais lui demander. Excusez-moi. Je suis membre du club de... Enfin, d'un club du journal de mon école. Est-ce que je peux vous parler à un moment? Bien sûr. Quel genre de personne est le représentant Shido? Qu'est-ce qu'il pense de ce bâtiment? Sa position, c'est d'être dédié au pays. C'est comme ça qu'il gagne la confiance des gens. C'est un homme admirable, qui est dans l'action, avec une détermination à toute épreuve. Je dirais que c'est un politicien modèle. Je crois qu'il qu'il va aider à créer un futur merveilleux dans lequel les jeunes adultes comme vous pourraient vivre sereinement. Une réponse exemplaire. Ça fait sens qu'il nous dit qu'il n'allait pas dire forcément. Mais... Tout à des jeunes. Je connais pas quoi. Après, s'il se voit comme le maître du monde, ça se trouve si vous. Ça se trouve. Il se voit pas comme le maître du monde, il se voit comme maître du pays, mais peut-être que. Peut-être que. Ouais, parce qu'en fait, il se voit carrément comme maître du monde plus tard, je sais pas. Est-ce qu'il parle de nous? Ça sent pas bon. On devrait y aller. Demain, c'est un jour de repos. Donc on va retrouvons-nous pour parler de stratégie. On se retrouve au Leblanc, d'accord? On devrait tous y penser ce soir. Ok. Bon, ça s'annonce tendu. Les criminels qui s'appellent eux-mêmes les voleurs fantômes ne sont plus. En plus, ça, je crois que les citoyens de ce pays vivent toujours dans l'anxiété. Ces scandales n'ont seulement augmenté les craintes de. Enfin, les problèmes avec le gouvernement actuel. En tant que citoyen moi-même, je suis enragé. Super. Qu'est-ce que ça signifie d'être un politicien avec des responsabilités, hein? Travailler son propre enrichissement sans considération pour le pays est déplorable. Du violon, de la flûte, bien. Ouais, bon, de toute façon, les gens, ils l'aiment bien, quoi. Il a un discours qui doit plaire, mais bon. J'essaie de regarder des interviews de Shido en ligne. Et ça sonne toujours faux. J'ai checké son profil aussi, sur les réseaux. Mais j'ai rien pu trouver en dehors de son titre ou des écoles qu'il a fréquentées. Il a 53 ans. Et vient de... Bon, on s'en fout, ouais. Cabinet du ministère. Blablabla. Bla, bla. Ouais, tous les médias, tous les sites ont l'air de... Les sites de news ont l'air de... De le désigner comme étant le prochain leader du pays, le premier ministre. Je sais pas trop comment ça se passe au Japon. Je crois qu'il y a un.
Je crois que genre le premier ministre pour nous c'est le président quoi. C'est là où on pouvait comprendre le sens derrière les mots de Shido. On va le faire, on va trouver. Pour sauver ce pays qui a été sali par des méchants, des réformes sociales sont essentielles. Hein? Pourquoi il a autant d'admiration? Enfin, je suppose que personne ne connaît la vérité à propos de lui, mais ça m'aide, ça me merde moi. Oh, comme j'ai un beau j'ai un beau drapeau. Est-ce que j'ai d'autres trucs que je peux afficher? Ça je l'ai affiché. Oh, super. Le poster, je l'ai mis, je crois. Je l'ai... C'est juste qu'on le voit pas d'ici. King Peace, c'est quoi? Ok, je le mets. Et ça... Ok, ça il y est. Ok. Ok. Ah oui, c'est bon, je vois le poster. Okay. Du coup, je peux pas partir, je suppose. Voilà, allons dormir. Bon bah. Seulement on connaissait les mots-clés. Ah ouais, on va les connaître, c'est sûr. J'espère. Là pour l'instant, vivre caché, c'est compliqué. Et même c'est plutôt ennuyant parce que du coup je ne peux rien faire en fait. Je suis condamné. Ouais, c'est chez moi. Mine de diamant. On en a combien d'essais là? Peut-être qu'il a mis en place une barrière. Hein. Ouais. You know all the way up to Diet Building 2. So you enter keywords into the Metaverse Navigator. Vous mettez des mots clés dans l'application de. Le métaverse. Est-ce que tu peux se dire, est-ce que tu peux allumer la télé? Peut-être que Shido y est. C'est une inspiration. Ah non. Donc Akechi. Est-ce vrai que c'est lui qui Honestly, it required a lot of courage to openly oppose them when their popularity was at its peak. I mean, people often lashed out at me online and whatnot. Ouais, ils lancent des fleurs en mode genre ouais, sac, c'était compliqué. Ouais, j'ai du courage hein, de les affronter là, là. Putain, je déteste. Est-ce que ça fait partie de votre plan? Quand vous avez dit que ce n'était pas de leur faute, après que leur popularité ait décliné, c'était pour leur faire baisser la garde. Oh, je déteste encore plus. Il me dégoûte. Ah, maintenant il est méga connu quoi, super. C'est le nouveau L. Ah, personne n'attend notre retour. Les fantômes sont le mal. Shido et Akechi sont le bien. Il doit y avoir d'autres moyens de changer ça quoi. Ils manipulent l'information en utilisant les médias. Laissons Akechi de côté. On y retournera de toute façon. Mais notre objectif principal, c'est Shido. Est-ce qu'il y avait d'autres
d'autres fois avant où vous n'avez pas su que vous n'aviez pas les mots clés du palais. Il y avait celui de Futaba. On ne savait rien à propos d'elle. Tout ce qu'on a pu, essayer de faire, c'était de vas-y, deviner quoi. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas directement voir Shido? C'est impossible. Il est entouré de gardes du corps et de gens qui le suivent tout le temps. Il n'y a aucun moyen que des jeunes étudiants comme nous puissent l'approcher. Alors, on a un adulte avec nous. On a une plusieurs, mais je crois pas, moi compte pas. En même temps, bon, qu'est-ce qu'il va faire? Non, c'est toujours impossible. En plus, c'est bien trop dangereux, c'est une méthode bien trop dangereuse. Bon, c'est un problème. Ok. Hein? Ok, je sais pas. Pour tous ceux qui sont autour de la station Yongen. C'est pas une voiture de campagne d'élection. Ah oui, les candidats sont en train de faire campagne. Cette fois. Je m'excuse du dérangement. Je suis Masayoshi Shido. Ah mais il vient à nous quoi. Est-ce qu'il vient de dire Shido? Oui, il vient de le faire. Eh oui, c'est lui. Ah, c'est pas de la chance. On peut aller le voir sans prendre un rendez-vous maintenant. C'est bien, je vais rester là, moi. Parce que, bon, déjà que en tant que voleur fantôme, il me croit mort, mais alors en plus, si on reconnaît... Ah non, j'y vais quand même, d'accord. Non, tranquille, des vieux souvenirs. Pour l'instant, il faut reconstruire notre nation en ruine. Notre gouvernement est littéralement entouré de scandales et des criminels ont pris racine dans notre société. C'est un passé disgracieux qui doit être changé. Voilà, bon bref, on va remplir le futur de... plein de bonnes choses. Pourquoi je suis allé par là? Oui, c'est parce que... donc nous... pour que nos enfants... ils soient fiers de notre pays, blablabla... Bon, classique. Merci. Je crois que j'étais vraiment allé là. Je demande humblement que vous votiez pour moi, Masayoshi Shido. Réunissons-nous tous pour un futur heureux ensemble. J'espère continuer à vous servir tous. Est-ce que c'est ce gars? Attendez là. Enfin, c'est moi qui vais quoi. Attends. Hey, yo, Shido-san. Hey, salut Shido. Reculez. Je voudrais juste lui parler une seconde. C'est un homme occupé. Hey, il est pas supposé entendre les remarques des citoyens. C'est assez. T'es ce truc du cul qu'on a rencontré à l'hôtel avant. Yes, c'était pas la meilleure approche à faire. Hein. Dans les ascenseurs. Dis où est-ce que tu parles? Non mais qu'on se rapproche pas trop, il va nous reconnaître. Hein. Allez, arrête. Mais ces gars... Hey gamin. Tu ne veux pas savoir ce qui se passe quand on me parle la route.
Bon, on sait bien là, on commence à se faire une bonne idée. Hein. C'est lui. Il n'y a pas d'erreur. C'est le même homme que celui d'avant. Qu'est-ce que tu regardes? Je ne connais pas lui. Ce pays est rempli de d'enfants perdus. Je m'inquiète pour le futur du Japon. Allons-y. Mon prochain rendez-vous est proche. Enfin, bref, faut qu'il sorte. Quel connard. Bon bah, qu'est-ce qu'on en a pensé enfin, qu'est-ce qu'on a pensé après l'avoir vu en personne? C'est lui qui a fait en sorte que j'étais arrêté, c'est celui qui m'a accusé. Attends, c'est le gars dont tu nous as parlé avant? Le même gars, pour de vrai, sérieux? Tu es sûr, n'est-ce pas? Shido est celui qui t'a ruiné, enfin qui a ruiné ta vie. Oh, merde. J'arrive pas à y croire. Let's get going, okay? Rentrons, d'accord? Shido, c'est lui qui t'a mis dans la merde. Quel genre de destin vous a amené encore à vous rencontrer? C'était sûr que c'était lui. Je voudrais bien le savoir. C'est juste une coïncidence? Non, c'est définitivement lui. Eh oui. Shido était aussi impliqué dans les recherches cognitives, n'est-ce pas? Ça ne peut pas être une coïncidence. Qu'est-ce qui se passe ici? Shido était déjà un politicien. Et pourtant, il a ruiné. Il a accusé un jeune, un élève, et a ruiné son futur. Il doit tirer beaucoup de ficelles pour que son nom ne soit pas mentionné. Plus de ça, il a dû forcer une femme à faire un faux témoignage. Il ferait n'importe quoi. On parle d'un homme qui a ordonné de frapper à l'intérieur d'une station de police. Il peut pas s'asseoir. Tant qu'il n'aura pas écrasé tous ses opposants, tout ce qui s'oppose à lui. Peu importe la nature de ce qui s'oppose à lui, quoi. Il a toujours été comme ça. J'aurais pas dû lui dire. Les jeunes sont le futur. Mon cul. Ce qu'il dit, ce qu'il fait est complètement différent. Bravo, c'est généralement les politiciens. Même s'il y en a qui ouvertement s'en battent les couilles, ils disent clairement, mais avant d'être élu en général, on essaye de ne pas trop dire ce que les gens ont pas trop envie d'entendre, et de dire ce que les gens ont envie d'entendre, normal. Pour l'instant. Est-ce que ça nous a aidé quoi? Si le jour il va admettre ses crimes, ouf! La liste va être longue, ça va être agréable. Ouais, on doit lui changer son cœur. Ça, c'est sûr. C'est plus que l'hypocrisie. Il est carrément une autre personne. Il parle du bien du pays. Ce qui me fait me penser, comment on sait vraiment dans son esprit, quoi. Bah, soit il y croit vraiment, et il est juste taré. Mais je pense qu'il y croit vraiment. Hein. En mode genre, c'est comme ça, c'est pour le bien du pays, lol.
Mais après, je pense qu'il est aussi bien corrompu comme il faut, et il est conscient de ses torts aussi, je pense. Juste qu'ils sont pas coupés dans les couilles. C'est un homme rempli d'ambition qui veut gouverner le monde. Sa vision des faibles, c'est juste des outils pour, sur lesquels il peut marcher pour arriver jusqu'à son succès. Il se considère comme, comme un homme de l'élite, pendant qu'il regarde de haut tous les autres. C'est vraiment le pire. Je suppose que le mot-clé, ouais, il sera en rapport avec tout ça, quoi. Ça doit être quelque chose de concentré sur lui, et complètement différent de la politique. Quelqu'un comme lui devra être puni aussi vite que possible. Retournons au building demain, après l'école. Je sens qu'on va y arriver cette fois. Ouais, faut qu'on le fasse. On va y arriver. Le gars derrière tout. Blablabla. Ok. Je suppose que je dois partir. Oui, voilà. Pas beaucoup de liberté dans cette phase de, l'histoire. Hein. Oui, j'ai compris, je vais me coucher. Je vais quand même porter mon uniforme scolaire, pourquoi pas. Tout le monde croit. Bon, voilà, j'ai l'impression que c'est lui qui va gagner. A priori, si on l'arrête pas, c'est lui qui gagne. Et on ne sera pas la merde. Est-ce qu'on est innocent? 3% des gens le pensent. C'est cool. C'est bien, ça a bien baissé depuis le... Depuis le début, hein. Ça rappelle les Kishi, de Shido. Bla 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 bla. Et nous, nous qui connaissons la vérité, ça nous met un peu hors de nous, évidemment. Les gardiens de sécurité sont devenus un peu suspicieux de nous la dernière fois, donc on peut pas rester trop longtemps. Mais on a toujours un 90. Oui, voilà, on y repense, let's go. Les citoyens sont secondaires. Tout ce qui l'intéresse, c'est son propre bien-être et celui de ses laquais. Il veut devenir Premier ministre, même si ça veut dire écraser les autres. Fortune, les gens folles, les ronds, les gens riches. Il n'y a rien que tu penses. Juste essaye quelque chose. On essaye. Steer. Genre, attendez. Il verrait ça comme. Je crois que steer ça veut dire piloter. Bon, conduire entre guillemets, mais pas pour, enfin, pour un gros truc quoi. Donc, soit ce serait un truc genre un avion, soit ce serait un truc genre un bateau. Soit. J'ai rien. Bon, c'est un des deux. En vrai, l'avion me paraît improbable, donc ce serait peut-être le bateau. En vrai, on dit toujours mener la barre, entre guillemets, pour un pays. Donc ça pourrait être logique, hein. Ouh. Oh, ça a marché. Surtout que l'avion, on avait déjà un truc similaire, entre guillemets, avec le vaisseau spatial. Bref, on l'a déjà eu plusieurs fois, quoi. Barrières. C'est pas grave, je t'inquiète. On devrait essayer d'y aller.
Allez! Parfait. Est-ce que quelque chose a changé? Les gardes de sécurité ne sont plus là, mais c'est difficile d'en être certain. Ça, ouais. On dirait que c'est très similaire à ce qui s'est passé avec le palais de ma sœur. Cette fois-ci, le bâtiment demeure inchangé. La porte n'est pas ouverte plutôt. Attendez, regardez. L'apparence de Mona est différente. Ça veut dire qu'on est bien dans son palais. Allez, jetons un œil. How's it look over there? See anything? Nah, it's totally normal. I'll check it out. Huh? What the heck? What's up, Futaba? Futaba? Hmm? What is it? The hell? Huh? What this cognition is about, huh? Ça fait encore plus sens que ce soit en bateau du coup, puisqu'il voit le pays comme étant en train de, enfin, étant à la dérive quoi. C'est n'importe quoi. Oui, il est taré. Oui. This is beyond ridiculous. C'est au-delà d'être ridicule. The same goes for Akechi. C'est la même chose pour Akechi. He should have seen this scenery as well. Il a dû voir un peu de tout ça. Et il connaît sa vision des choses, quoi. Et pourtant, il continue de l'aider. What in the world is he thinking? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il pense, quoi? Whether it be for glory or for simply a reward. Soit pour la gloire ou même pour avoir une récompense. Mon père est mort pour quelqu'un comme ça. On devrait couler Shido plutôt que ce pays. Un palais n'est pas juste le centre de la distorsion. Ok, c'est complètement différent des palais précédents. C'est encourageant. On va définitivement prendre son trésor. Allons-y. J'allais pas dire que j'étais nerveux. Autant qu'on soit confiant. Ouais, il faut qu'on s'en sorte avant le 17. Yes. Après, est-ce que, une fois que j'aurai fini, si je fais ça comme je fais d'habitude, assez rapidement, même si à mon avis le palais sera plus long que d'habitude sans doute. À quel point je pourrais faire d'autres activités aussi. Bon après peut-être que je serais juste couvert, je mettrais la capuche et puis voilà quoi. Si nos vêtements n'ont pas changé, je suppose que ils ne nous voient pas encore comme une menace. Parlant de ça. Quand elle ne devrait pas se déguiser. Voir quelqu'un déguisé avec plein d'autres gamins de l'école, ça serait juste trop bizarre. Oui, vous n'allez pas vous inquiéter. On va réussir à voler son trésor, donc bon, allons-y. Ok. Donc ouais, c'était mon équipe habituelle, donc tranquille. Let's go. D'ailleurs, le problème c'est que techniquement, si j'ai bien calculé, on finira l'épisode. En fait, on va finir le let's play. La vue qu'on a par contre, c'est assez ouf. On finirait le let's play normalement, genre fin décembre. Du coup, je sais pas si je mettrais une tenue de Noël. Parce qu'on, je crois que j'ai des tenues de Noël dans les uniformes. Je mettrais peut-être ça. Allez, on s'y. La musique est trop cool en vrai. La musique des palais est toujours trop bien de toute façon.
je comprends pourquoi on n'a pas été encore vu comme une menace. Mais pourquoi est-ce que même les passagers portent des masques? Je pense qu'ils essaient tous d'être voleurs fantômes. Comme un haut. Eh, c'est bon. Peu importe la raison, ça reflète la mentalité de Shido. Il ne voit pas les autres normalement. Étant donné sa nature complètement tarée, sa distorsion, je suis surpris qu'il. Qu'il y ait même des gens. Ok. Bon, bah, du coup, je peux me balader, je peux. Il y a rien d'air d'avoir en bas. Bon, attendez, il y a quand même des gens qui sont. Bon, je vais quand même écouter les gens. Il y a un costume bizarre. Okay. Pas très intéressant. Un ennemi. Ouf. Il est stylé en vrai. Plutôt fort aussi. Du feu sur Anne, c'était quand même moyen. Faiblesse glace évidemment parce qu'il a attaqué en feu. Ça va, il y a quand même de la logique dans les faiblesses. Bye bye. Aïe, ça c'est fait. C'est un genre de spectacle. Monsieur Shido ne rate pas une occasion de distraire ses invités. Quel privilège. Bref. Moi, je suppose qu'en fait il voit comme. Il imagine que le monde parle abandon et que lui il a un sondage de Noé quoi. Qui protège un peu du reste quoi. Comme c'est encore genre. Il y a quand même des trucs un peu partout. Peut-être qu'il y avait un. Ouais. Hop. La même chose. Let's go. Ok. Hop. Let's go. Peut-être qu'en bas il y avait aussi d'autres trucs à récupérer. Ça me paraît très bizarre parce que je pense pas qu'ils vont mettre des coffres à tous les endroits non plus, mais. Ok, il y en a un en face. Donc, si c'est possible qu'il y en ait un par en fait. Je vais aller voir. Je sais jamais, hein. Quoique j'ai la flemme en vrai. Taquini. S'il y en avait en bas, je pense que je les verrais d'ici. Je pense que pour le coup, en bas, il doit rien avoir. On va monter. Ils sont affichés partout. Génial. Alors. Bon, du vide. Hein. Non, je vois pas faire ça. Je peux me cacher. Est-ce qu'il revient? Non, il se casse. Ok. Je vais monter direct. Go. Oui, il y a un ami là. Hop là. Ah, c'est bon, il y a qu'un seul ennemi dans son palais. Hein. J'ai vraiment le counter parfait quoi. Avec un des plus forts personnages glace quoi.
J'aime pas si mon personnage c'est... Non, je pense que celui que j'ai, enfin il est pas spécialisé classe, mais... Vu que c'est un de mes plus forts. Bonus d'argent, parfait. Ça fait plaisir, hein. Et de l'autre côté, non, il n'y a pas l'air. Bon, go. Je sentir la présence du trésor. Déjà ? C'est par là. Allons-y. Déjà, je suis curieux, il y a quoi sur les côtés ? Pourquoi est-ce que tu fais ? Bon, bref, ok. Ça sent le piège quand même, hein, bon. On s'est déjà fait avoir plus d'une fois sur ce genre de tactique, non. Ces portes immenses sont vraiment très sont suspectes. Je me demande ce qu'il y a derrière. Il y a la place pour mettre quelque chose comme genre une clé. Il y en a 5 même. Soixante-cinq personnes en ma faveur, zéro contre. Puisqu'il n'y a personne de contre le plan, tout le monde, enfin, ça, ok, quoi. If this truly is the representative's chamber as written, beyond here must be the main assembly hall. The what now? It's that large conference room that's usually seen on the news. Oh, that thing! Gotcha! Most likely a meaningless vote. One in which whatever Shido proposes will... Vu qu'il y a personne contre lui... What do we... Maybe we need some kind of qualification. So basically we need to... You sure move on? But what's this qualification? Donc tout comme pour le truc d'avant où il fallait prouver qu'on était mort, voilà, ça va être un peu pareil, on a montré qu'on est un peu... That thought never crossed my mind. Asking around doesn't sound like a bad idea. The guests here are the cognitive versions of them in Shido's mind. True. Oui. Ok. That said, the ruler here is that evil Shido. It wouldn't surprise me if they did turn hostile. Right. We should prepare for the worst if this ship is most... It'd explode... We can at least. It helps that everyone's. J'avoue, il y a tellement de dialogues depuis un moment, vu que j'ai même plus de liberté pour faire un peu ce que je veux dans l'univers. Enfin, en mode social, quoi. J'ai envie d'un peu d'action. Il n'y a pas aucun doute, je peux sentir le prince du trésor derrière cette porte. Ok. Derrière la porte, il y a une zone VIP. C'est un endroit sacré. Enfin, il y a des temps que Shido ne nous accepte pas. Okay. On va aller par là. Oui. Ok. Bon, je laisse parler. Je vais prendre juste le résumé de Ryoji. Je vais ignorer complètement. J'essaie de leur parler. Parce que j'ai l'air de pas avoir d'argent. Peut-être que c'est à cause du masque en forme de crâne. Ça peut jouer. T'es un peu sadique de voir que je parle à des étrangers. Mais je vais le faire. Je vais manger ma mère. Okay. Ah, tout ce qui est porte là, je... Ah oui. Regardez, je suppose, une fois que j'aurai récolté un peu les infos.
vraiment sûr de comment parler à des gens ici. Je suis silencieuse. Bref. Ok, c'est pas grave. Monsieur Ohé est un VIP. J'ai vu dans le restaurant. On pensait qu'un politicien important comme lui serait invité ici. Le support de monde politique doivent dire que les chocs mentaux sont fiables après tout. Ah, je suis plutôt envieuse. Je suppose qu'il y a moyen que j'apprenne à mieux connaître. Ah, si vous voulez. Deux couloirs, dont un qui monte. J'irai voir où après. Donc c'est le président de la station télé. En effet, monsieur Shido a un grand cercle de connaissances. Blablabla. Ce que j'ai remarqué aussi... Ah, t'as vu quelque chose? Oui, mais... Est-ce que je peux grimper ou pas? Il y a une ombre. Oui, ok, on reviendra plus tard. Ok, bon. Ah, tiens, comme pour le musée... Hein. Des présentoirs avec la carte, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a jusque-là? Pas grand-chose, mais bon. Quand même quelques trucs. J'ai pu avoir quelques informations. Un truc pour sauvegarder. Parfait. Oui. Ah, plus personne. C'est pas une surprise. Enfin, c'est une surprise. Tous les invités cognitifs dans ce palais ont l'air de comme de vrais humains. Le casino juste avant avait l'air plutôt réel aussi, mais parler avec ses invités n'avait rien à voir. Tu as raison. Les skills d'observation du dirigeant de ce palais du coup dépasse l'entendement. Je panique pas. Je pensais juste que ce serait plus simple de faire un plan. Puisqu'il peut le parler normalement. Réunissons toutes les informations qu'on a pu avoir. Donc il y a une lettre d'introduction pour les 5 VIP. Et ces lettres deviennent des clés. Exactement. Maintenant, voyons ce que tout le monde a appris. D'abord, un des VIP est un politicien influent du nom de Ohé. Il a apparemment été vu dans le restaurant la nuit et s'assoit à une table proche de la fenêtre. À mon tour, j'ai entendu qu'il y avait un VIP qui avait l'habitude d'être nobility, je pense que ça veut dire. On dirait qu'il a l'air d'être souvent dans la piscine. Avec le président de la station de télévision est aussi un VIP. Il joue la nuit.
Et on dirait qu'il dépense son argent. Alors, bref. À mon tour. Ah, il y en a 5, hein, faut qu'on retienne toutes les informations. Hein. Un des VIP et le président d'une compagnie IT. Je sais pas trop si c'est informatique ou pas. Il est toujours dans sa chambre. Et il y a un couloir spécial, quoi. Il y a aussi un gars qu'ils appellent le nettoyeur, qui est un autre VIP. J'ai entendu qu'il était très précautionneux. À tous les coups, c'est Akechi en vrai. Quoique non, je pense peut-être pas que ce soit un VIP Akechi, mais... Nettoyeur, bon, c'est lui qui est sur le terrain, quoi. Ah, oh, ça va, tu peux tenir 5 personnes, non? Bon, je l'essaie, mais bon. j'ai tout oublié. Ouais, j'ai une bonne mémoire. On est contre 5 personnes. Le politicien Ohoe, un noble, le président de la station télé, un président de compagnie, d'une grande compagnie et un nettoyeur. Ouais, on va le nettoyeur après les 4 autres. Wow, now that's impressive. If we can't remember the details on the VIPs, let's reconvene. OK, donc si on oublie, on revient ici quoi. Hey. On y va du coup parce que du coup je vais tout oublier si on y va tout de suite. Hein. Ah, j'ai pas envie de partir maintenant, quoi. Bon, ah, d'accord. Peut-être qu'il faut que j'enquête un peu plus dans le monde réel sur ces personnes-là. Avant de les trouver dans le palais, je sais pas. Yo. Tu es de retour. Alors, ça va passer. Fais ce que tu dois faire, je ferai de mon mieux pour t'aider. Ok. Ça parle de la nature du palais et tout. Bla bla bla. Change son cœur. Oui. Bon. Des mots croisés. Je vais aller dormir de toute façon. Quoi, je pourrais faire les mots croisés si je voulais. Ouais, je suis maximum en intelligence, j'ai plus besoin. Mais... Tant pis. J'aurais pu les faire juste pour plaisir, mais bon. En vrai, tant pis. C'est moi, désolé. Je sais que t'es fatigué. Mais si tu peux me donner juste une seconde. J'ai décidé que. J'ai décidé ce que je voulais faire avec Shido. Son palais. Oui, on a absolument joué son cœur, oui. C'est vrai. Je veux te venger. C'est pas tout. Si on le laisse à la tête du pays. Oui, on est obligé de protéger tout le monde, sinon il va écraser les faibles, quoi. Le protégeant jusqu'à la fin. Et oui. Nous sommes des héros de l'ombre. On aura changé le cœur de Shio. Ouais, bref, t'inquiète pas. De Shido, pas Shio, pas la même personne. Oublie ça. Allons-y. Volons le cœur de ce bâtard de Shido. Je ferai tout pour que ça se passe. Super. Yay. Je sais pas si c'est un palais très long ou pas.
Bon, je pense que oui, hein, parce que tous les palais ont comme une certaine longueur. L'idée, c'est pas de le rusher en une heure. Oui, bla 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 bla. Presque l'heure. T'as réussi à dormir? J'ai dormi plutôt bien, pas vraiment. Ça va. Je suis impressionné. Il a l'air de faire froid, non? On parle avec de la... Avec de la... Je sais plus comment ça s'appelle déjà. J'allais dire de la buée, mais c'est pas ça. Il commence à faire froid. Ça te met le chauffage. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Je réfléchissais juste. C'est peut-être le dernier boulot des voleurs fantômes. Le but et l'ambition de tout le monde. Ils sont tous reliés pour faire tomber Shido. C'est comme ça que je le ressens. On est tous devenus voleurs fantômes pour nos propres raisons. On n'est pas juste en train de jouer. En dehors des voleurs fantômes, on a aussi. Tu as aussi des amis. que tu as. Qui t'ont aidé. Qui ont cru en toi. On a une bataille importante devant nous. Et on fait tout ça. À cause de deux, quelque sorte. Il n'y a aucune garantie qu'on va s'en sortir. Essaie de penser autant que tu peux. Pour ne pas avoir de regrets. Je comprends. Je suis avec toi. Depuis. Depuis toujours, enfin depuis qu'on s'est rencontrés, jusqu'à la fin. Cette bataille qui arrive est personnelle. Donc on va le faire selon ta manière. Maintenant, tu peux combattre Shido. Tu vois, j'ai envie de dire Shio à chaque fois. Comme tu le veux. Ok. On parle de nous. Super. Ça fait trop bizarre que tu ne viennes pas encore. C'est pas si bien. N'importe quoi. Un homme mort ne peut pas aller à l'école, tu sais. Bref. Le plan, c'est de changer le cœur de Shido. Essayer de voler le cœur de la cible avant la deadline. Ça fait difficile de... Il faut bien connaître le métaverse, sois sûr de ta force. La force de tes liens. Ok. C'est-à-dire... désolé de... Je sais que tu dois pas mal occuper. Mais bon, ils peuvent le faire, j'ai foi en toi. C'est-à-dire... Ok, il me file des noms à faire, bon. Ce que je voulais faire.
prends soin de toi. Oui. Beaucoup de patients ont commencé à être malades dernièrement. Je vais t'examiner. En vrai, je pense que voilà, l'épisode va être un peu court aujourd'hui, mais je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que j'ai pas trop le temps. Déjà, maintenant, je vais suis un peu tard pour tourner. Et parce que j'ai l'impression qu'on est, voilà, un petit peu de pause. Parce que dès qu'on repart sur le palais, je pense que ça va s'enchaîner, etc. Donc je vais être bien concentré dedans. Donc j'espère que ça vous aura plu. Bah, like, commentaire, partage comme d'habitude. Et on se retrouve évidemment très vite pour la suite. Passez une bonne semaine. Plein de gros bisous. Salut.